Pour rendre opérationnel le processus de digitalisation de l'enregistrement des enfants à l'état civil, une mission conjointe de l'Agence nationale des titres sécurisés, de l'UNICEF et de Technidev est en tournée dans la zone méridionale du pays. Après la province du Mayo-Kubi-Est, des deux Logone et du Mandoul, le cap est mis cette fois-ci sur la province du Moïnchari. Ici, à l'hôpital provincial de Sar et au district sanitaire de Kiabé, l'équipe de la mission a tout d'abord échangé avec les personnels de ces structures sanitaires. Échange au cours desquels un accent particulier a été mis sur le renforcement des capacités des sages-femmes, sur l'utilisation des outils mis à leur disposition pour déclarer les enfants à l'état civil. À entendre le chef de mission de l'ANAP, Déoul Nenissouabé, cette opération de digitalisation de l'état civil qui se fait maintenant sur place et de manière gratuite dans les hôpitaux vient soulager un tant soit peu la souffrance de ses parents d'enfants. Les parents qui, par le passé, parcourent de longues distances pour se rendre dans une mairie ou une sous-préfecture ou qui n'ont pas des moyens pour entrer en possession de l'acte de naissance de leur progéniture.